triompher, assoyez à mon Dieu, confiance servant yo, confiance serviteur yo, c'est non même lié papa, n'a mando dit trois fois saint, pète moment ça mon Dieu, oh dit trois fois saint, moment ça Seigneur, où y a passé dans présence mon Dieu, pète qu'il capable un moment béni, dans le nom de Jésus, au nom du sang versé, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, renouvelé chaque matin. Chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouvelé. Chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini. Chaque matin, renouvelé, chaque matin, renouvelé, chaque matin. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouvelé chaque matin. Sentiment abandonné, pour chercher secours sous la terre, pas joie. Moi levé, tête moi, moi relevé, Jésus. Fatigué, ou le monde a guéri les mouettes, sentiments abandonnés. Pour chercher secours sous la terre, pas joie. Moi, levé, tête moi, moi, relevé. Fatigué, Jésus,
God is good. If you believe it, say God is good. If you believe it, say God is good. Praise God. 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus.
Moi remets Jésus. Est-ce qu'on content pour notre présence Seigneur à soi? Est-ce que content pour notre présence Seigneur pour bal l'orange, pour bal l'adoration? Gien moun ki ta aimé faire ça mais yo pas gen chance. Gien moun nan Lisa c'est sous cabane de l'hôpital yo couché. Gien moun nan Lisa c'est dans prison yo yé. Gien moun nan Lisa c'est des pieds, yo pas gen deux pieds, yo pas gen deux mains pour lever devant le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Mais ou même bon Dieu choisi dans minute ça, dans seconde ça pour capable dans présence li pour adorer dans l'esprit en vérité. On dit béni soit Éternel. On dit béni soit Éternel. Bon Dieu au fidèle. Bon Dieu au fidèle. Bon Dieu au fidèle. Ou gen raison pour dire ça, bon Dieu au fidèle. Ou gen raison pour dire ça, ou même kap gade ma soeur, bon Dieu au fidèle. Parce que c'est fidélité, bon Dieu qui permet tout exister à soeur. Bon Dieu au fidèle. Bon Dieu au fidèle. Alléluia. Alléluia. N'a pouvé Bible non seulement avec. We're going to find the scripture reading. In the book of 1 Samuel, chapter 7, verse 1 to 12. I'm not sure if Bloody Samuel to do the scripture reading for us. 1 Samuel, chapter 7, verse 1 to 12. If you have your Bible, open it with us. We're going to read it in English since I have the English Bible in front of me. 1 Samuel chapter 7. Okay, we have it in French. I will do it in French. Les n'a mandé moun ki sou pour mon ensemble avec comme c'est pas gagne français à devant. Le gens de Kirat, Jimri vint et fit monter l'âge de l'Éternel. Il la conduisent dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Eliezer pour garder l'âge de l'Éternel. Il s'était passé bien 10 ans depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kirjath-Jearim, 20 années de s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez 10 milliers de vous, le Dieu étrangères et les astés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël, hauteur 10 milliers d'eux, les Baals et les astés, et ils suivirent l'Éternel seul. Ils servirent l'Éternel seul, excuse-moi. Samuel dit à assemble tout Israël à Mizpah. Et j'ai prié l'Éternel pour vous. Et ils assemblèrent à Mizpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ses jours son tonnerre sur les Philistins. Et les mit en déroute, il fit bâtir devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mizpah poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Verset 12, Samuel prit une pierre qu'il la placèrent entre Mizpah et Shem, et il appela Dimon et Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Parole du Seigneur. Amen. Nous capables chita. Encore une fois, nous disons, bon Dieu merci. Et de ce qu'il a accordé nous là, et nous avons fait place avec
monde qui recevoir pour capable pas visiteur. OK. Et si pas gain ça, nous pour aller chanter suite, nous pour aller chanter d'offrande et dans finissement nous cap passer avec Samuel c'est que les annonces de capable faire. Mais nous pour faire chanter d'offrande kounia pour qui monde parler cristal. C'est 79. Moi pas connait avant me faire offrande non, pas connait si tout gain monde qui chanter ou bien non. Pour qui moun parle cristal là, c'est pour moi à Jésus-Christ. Pour qui moun faute en oyo, c'est pour moi à gâcheté yo. C'est un bel palais, c'est un bel palais cristal. Avec un pile chaise en l'homme pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem non belle en pile, li pi belle passé diamant, li sorti côté bon Dieu mais. Bon Dieu, c'est un bel palais, c'est un bel palais, cristal, avec un pile chaise en l'homme, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas besoin soleil à clarifier. Éclairez-nous jour et nuit. Mais la gloire, mon Dieu, va briller. Éclairez-nous, flambeau. C'est un bel palais, c'est un bel palais, cristal. Avec un pile chaise en qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas de crainte, douleur, à tout mal, ni en mort, ni maladie. Médicaments coûte la pas fini. C'est la joie, l'amour, sans paix. C'est un bel palais, c'est un bel palais, cristal. Avec un pichet en or, pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. À la bel jour, ça va y aller, les trompettes la valent sonner. Pour tout bon ambition lever, pour y aller rencontrer Jésus. C'est un bel palais, c'est un bel palais, un palais cristal. Avec un pichet. Un bel palais, c'est un bel palais, cristal, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur. Jésus, c'est roi, ma parole, Jésus, c'est roi, ma parole. El Shaddai, c'est roi, ma parole, Jésus, c'est roi, ma parole. Elohim, c'est roi, ma parole, Jésus, c'est roi, ma parole.
Jésus c'est wa ma padoe, Jésus c'est wa ma padoe, El Shaddai c'est wa ma padoe, ma padoe, Elohim c'est wa ma padoe, Jésus c'est wa ma padoe, El Shaddai c'est wa ma padoe, Jésus 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 c'est wa 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 loué Jésus c'est wa mettre debout oh Jésus c'est wa Jésus c'est wa oh Jésus c'est wa Jésus c'est wa loué loué gloire à Jésus péché nous effacé loué loué gloire à Jésus péché nous effacé loué 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 amen alléluia loué 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 amen alléluia loué 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 amen alléluia Jésus c'est wa ma pado, oh Jésus c'est wa ma pado, Jésus c'est wa ma pado, Jésus c'est wa ma pado, El Shaddai c'est wa ma pado, Jésus c'est wa ma pado, alléluia, 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 sous quoi Jésus c'est wa dit alléluia, sous quoi Jésus a prégné sous on dit alléluia. Sous quoi Jésus a retourné pour venir chercher, on dit alléluia. Sous quoi ça avec tout cœur, avec tout nom, avec toute force, alléluia. Jésus c'est wa, Jésus c'est wa, Jésus c'est wa, Jésus c'est wa, Jésus c'est wa. Parole ça gagne force là dans l'ordil, diable pas qu'à camper. Jésus c'est wa, Jésus c'est wa, Jésus c'est wa. Alléluia, 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 alléluia. N'a prié avant le message, nous gon chan nous pour chanter mais n'a prié pour offrande. Après ça nous pour chanter entre nous quick adoration pour nous passer avec message. Dieu fort et grand, Dieu de compassion, nous vous merci pour grâce. Nous vous merci pour faveur, nous vous merci encore une fois côté paix pour venir réunir Seigneur. Yo vini dit trois fois, c'est non seulement yo vinn bon gloire, non seulement yo vinn bon adoration, non seulement yo vinn lever mes en l'air, mais yo connaît faut travail, yo avancer pour travail, avancer nos besoins corps. Yo t'es cap venir avec ça, ou t'es ba yo pour partager Seigneur. Qui sont bon Dieu qui t'a remé bail, mais pour raison pour l'autre. Yo gon porte qui campé devant yo, yo gon barrière, Seigneur, barrière travail qui ferme. Ou même qui c'est bon Dieu fidèle, ou même dit trois fois c'est gain tout pouvoir. N'a mon va ouvrir porte ça, on va ba yo interview, on va jeune travail. Afin que prochaine occasion, on va venir là. On va venir là avec des quichots pour porter pour la maison, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le monde de grâce, maintenant, nous allons arriver dans l'air pour entendre le message de ta parole. Préparer cœur, non, préparer nom, non, mon Dieu. Oh, dis trois fois, si on dit dans la parole, peuple a péri parce qu'il n'a pas connaissant de ta parole. Assure à nous voulons apprendre la parole. Assure à dire trois fois, que parole capable de grandir dans le cœur, non. Que parole, mon Dieu, nous allons entendre là. Capable de lumière, Seigneur. Sentier, non, lumière pour éclairer, non, non, mon fait noir, Seigneur, non, mon ténèbre, oh, couvri, Seigneur, péché, bassin plein, non, besoin de parole, mon Dieu, non, besoin de parole, ou que ta parole est une lumière, est une lampe, Seigneur, à nos pieds, dans le nom de Jésus, nan mon grâce, oh, Seigneur, soit nous voulons chercher présence, ou, nan chercher présence, ou, mon Dieu, m'a cherché présence, ou, à soya, peuple, chercher présence, ou, mon Dieu, dans le nom de Jésus, au nom du sang versé, nan mon dit trois fois, Saint, on va attendre des cris, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons chanter, m'a cherché, moins besoin, moins besoin plus qu'il y a à souhait. M'a cherché, moins besoin. N'a pas de musiciens capables d'accompagner nous. M'a cherché, moins besoin, moins besoin plus qu'avant, moins senti.
Non, moins soif, moins besoin. Non, yon l'autre niveau. Moins besoin. Non, yon l'autre niveau. M'a cherché. M'a cherché. Moins besoin. Moins besoin. Plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, mais besoin, non yon l'autre niveau, mais moins Seigneur. Mais moi, Seigneur, mais moi, Seigneur, grand goût pour présence ou moi, v'lè ouè gloire dans yon l'autre niveau. Moi, v'lè ouè gloire dans yon l'autre niveau. Aide, Seigneur. Seigneur, parlez, Seigneur, parlez, moi pour parler, quand vous y aurez, pour nous, créole, 33 créole. Bon manger pour papa nourrir mon qui grand goût. Acclame, sixième soir. Remplis-moi, Jean. Capable
gardé tout pour moi compter, pour moi compter, Seigneur, pour me guider, mon qui prend mauvais chemin, bon manger pour I feel here. Glory to God. Hallelujah. 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 Sans plus tarder, on a fait place avec Samuel qui nous présentait le prédicateur de ce soir. Et on a fait place avec Frère Samuel qui a fait ça pour nous-mêmes. La paix avec vous. Amen. Dis bon Dieu merci et vous merci cousin moi, le frère Bertin Louis. Et nous dis merci pour façon bon Dieu béni lui. Et nous dis bon Dieu merci parce que nous arrivons dans la quatrième soirée. Nous commençons depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et nous crions bénisseur jusqu'ici l'Éternel nous a secouru.
Et il n'est pas facile, c'est avec beaucoup de difficultés, mais le ciel le rend possible. Et nous disons, bon Dieu, merci dans ce sens-là. Et toute reconnaissance aller vers lui-même. Et nous, Dieu, je voulais rappeler que il y a ces semaines, réveil des hommes, réveil des Gédéons. Et nous avons réveil ça chaque année, c'est toujours la même date, ça, du troisième au quatrième, du troisième dimanche jusqu'au quatrième dimanche du mois d'août. On va changer de date là. Et nous avons activité chaque soir, samedi soir, Napla, grâce à Dieu, dans le temple. Des fois, nous avons l'autre venu, nous avons l'autre activité qui est ailleurs, mais semaine ça, c'est une semaine d'action de grâce. Napla, dans le temple, exactement à 7 heures, pour un moment d'action de grâce spécial, un moment de louange. Et samedi, tout à fait spécial. Encouragez les gens, surtout les gens qui écoutent sur YouTube, sur Facebook. Sous ka font effort ou dans zone nan sous pas loin tout sous tout près là New York et nous saluer quelques confrères et de Canada qui réagissent quoi excusez parce que dans semaine là il y a quelques petits problèmes techniques qui te recevoir et n'a pas essayé corriger et puis ça fait nous plaisir le fait que mon a prêté attention dans ce sens ça et puis il y a un pasteur qui conseille une certaine chose que nous devons faire nous dit bon Dieu merci parce que travail là c'est nous tous, même le Mounio, jusqu'à Montréal, jusqu'à Québec. Mais le fait que nous connectons, Jean chapitre 15, nous toutes ces branches dans le même biais bois. Jésus-Christ, bon Dieu, ses sceptres, là, nous mêmes ces branches, il était trouvé le nécessaire pour le débat, nous, certains conseils. Et nous disons merci, pasteur, merci, serviteur, il a apprécié ça. Et je pense qu'il y a un pile technicien qui travaille. Et nous remercions, pasteur Marcel, pour l'effort qu'il fait, pas seulement dans le téléphone, il est toujours à suivre. Mais à ce moment-là, j'ai bon pour le déplacer, pour le voir comment et tout bagailler. Nous disons bon Dieu merci, nous disons bon Dieu merci. Parce que bon Dieu tout fait provision pour l'église baptiste Philadelphie. Toujours dit ça. Maintenant, moment difficile, et n'a prêté termes à paroles, paroles célèbres que Samuel l'a dit. Jusqu'ici, l'Éternel continue de secourir l'église baptiste de Philadelphie. Ce n'est pas bon ou bon, ce n'est pas héros ou parfait. Mais bon Dieu choisit le comme ça, comme c'est grâce que le ciel fait nous, bon Dieu fait nous. Nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Et il y a semaine ça, tout ça n'a fait pour la gloire. Tout ça n'a fait pour la gloire. Et jusqu'à présent, nous venons en pile adoration, en pile moment de louange, en pile adoration. M'a dit frère Bertin, il met bon petit de l'eau et puis le cabaye pasteur en dissio bien car, il pas un problème parce que au moins nous pas une difficulté. Wap, on a relé pasteur André et puis il a introduit le docteur Hazard. Nous remercions l'église Bethel et puis il y a des monde qui était pensé venir qui pas ca venir mais vous voulez saluer des membres de l'église Bethel qui fait vos salutations à l'église Baptiste Philadelphie. Nous dit bon Dieu merci dans ce sens ça. Nous gain enveloppe, et action de grâce, nous encourager ou parce que principe l'église là, la Bible dit, ou bail délibérément, selon de la manière que vous aviez résolu dans votre cœur de donner. Nous ne va pas dire combien vous mettez parce que nous ne pouvons pas pour chou, et c'est par contre ça la Bible dit, vous faites. Mais nous avons prié son enveloppe là, et puis si vous avez cet esprit guido, dirigeau pour prendre enveloppe ou apprendre mais souhait tout ou t'as des difficultés pour pas apprendre pas bah tête problème temps pour prendre pour la gueule en côté non plutôt quitter lui à le prier ça et puis là bon je parlais avec dans sens ça c'est si bon je dis ou pour prendre enveloppe pour apprendre une pour aider Gédéon avec semaine ça et j'aime saute répéter ouais tout au coup de soirée à et pour saute elle tout et Jack Bertin saute ouais dans chant yo toute adoration lecture en saute fait dans 1 Samuel chapitre 7 et puis il saute les 12 premiers versets pour nous dans chapitre ça mais nous jeune sujet à il centré sur deuxième partie verset 12 là deuxième partie verset 12 là qui c'est Philadelphie a crié Ebenezer jusqu'ici l'Éternel nous a secouru jusqu'ici l'Éternel nous a secouru et puis nous t'a demandé mais c'est quatre membres dans le comité qui là, parce que il y a l'autre monde qui n'est pas disponible. Et nous avons une salutation spéciale, parce que dans le moment, ça, on va jamais oublier Frère Milford.
Frère Milfo toujours dans penser nous, Frère Milfo toujours dans penser nous, nous saluer le côté lié en Haïti. Et nous connecter même le nous séparer de chair, de corps. Mais en pensée nous toujours sur toute époque ça arrivé nous penser avec Frère Milfo son membre pionnier groupe là, son membre important dans groupe là, même le pas là. Nous toujours penser avec elle et nous saluer que bon Dieu bénisse le côté lié à nous pas parler trop parce que si bon bagage qui manquait pasteur André berger l'église a ajouté lui et nous Dieu va disposer cœur nous mettez quoi le ciel qui t'envoie provision par serviteur lui et puis après un moment d'adoration pasteur André a faire les suites nécessaires que bon Dieu capable bénir nous et puis nous souhaiter au demain soir encourager tout le monde et puis n'a just encourager moun qui sur YouTube cap suivre nous ou capable abonner avec channel là ou capable faire ça subscribe ou bien abonner si c'est en français et puis l'on fin abonner ou après gon petit cloche qui monte, a bell just press on the bell et from the bell just check all ou bien ou après cloche l'on presser cloche là peser tout le peser tout chaque temps nous monter nous gain service nous online ou ap joine on notification qui vient nous you will receive a notice so that you can worship with us so whenever you get a chance and the followers people that are following us on YouTube that are worshiping with us on YouTube whenever you get a chance subscribe to this channel Haitian Philadelphia Baptist Church so whenever you subscribe then there will be a bell just click on the bell and there will be a drop down button. There will be many options. Just check all. So whenever we are streaming, we are live, you will receive a notification so that you can continue to worship with us. And we thank everybody from the bottom of our heart. And please continue to comment whatever you see. And this is a work in progress. Yes, we're still working on this. We're trying to perfect our streaming services. And we thank all our brothers, Samuels, brother Jonas, and Pastor David, we can thank you enough. Yes, we're still working on this. Pray for us, because nous va prendre un travail bon Dieu à la légère, mais nous connaît tout côté travail bon Dieu a fait, Satan toujours là pour la déranger. Priez pour nous, et puis continuez, restez branchés, que mon Dieu continue à bénir la paix avec vous, et passons bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Amen. Pendant nous allons chanter le dernier chant, avant nous faire place à Pasteur André qui pourrait vous présenter le prédicateur de ce soir. Nous allons chanter notre adoration avec mes levées, avec un cœur bien disposé. Bouche-moi à chanter. Alléluia. Avec mes levées, avec un cœur bien disposé. Tout à toi.
joie chanter. Alléluia. Amen. Bon Dieu bénis-nous soya. On dit ça ensemble. Bon Dieu bénis-nous soya. Moi crois dans le pouvoir de la parole parce que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. On dit la bouche. Bon Dieu bénis-nous soya. Bon Dieu bénis-nous soya. Bon Dieu bénis-nous soya. Au nom de Jésus, on met des cils là, on met des cils là. Au nom de Jésus, sous quoi ça, on met des cils là. Au nom de Jésus, est-ce qu'on voit la soie, est-ce qu'on believe les assons, on dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Glory to God, amen, amen. Dans le moment ça, nous fait place à pasteur de l'été, non? Donc, cap présenteur, le prédicateur de ce soir. Alléluia. Glory, glory. Nous remercions le Seigneur de ce qui a fait notre quatrième soirée. Et depuis la conférence a commencé. Oh,
Chaque soir, bon Dieu béni, non? Je vais vous souhaiter encore. Bon Dieu a béni, non? Non? C'est vite que nous préparer pour parler. Et là, nous-mêmes, faire savoir les bonnes réceptions de la parole. C'est pour ça que nous venons à Soya. Et nous avons supplié également tout le monde qui est en ligne, tout le monde qui est en YouTube, please, disposez cœur pour être capable d'entendre les messages de la parole de Dieu. Avec nous, docteur Hazard, dans le message. Bien-aimés dans la boue du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous les bénissez, nous assoyez. Nous contents, nous réjouis, nous bénissons, bon Dieu. Et pour ça, le fait pour nous, et ça, l'a continué à faire pour nous. Son grâce qui fait de la assoyez, parce que il y a des gens qui ont dormi hier soir, ils ne sont pas levés. Il y a des gens qui étaient là le 13, le 14, samedi 14, ils vont lever. Il y a des gens qui étaient là le 6 juillet, 7 juillet, il y a un couple qui a gagné la caille. So, si nous-mêmes nous là, c'est parce que bon Dieu fait nos grâces. Amen. C'est pas parce que l'homme a nos sécurités. Notre sécurité est entre les mains de Dieu. Nous bénissons mon Dieu. Non, moi, c'est Pasteur Hazard, le pasteur titulaire de l'église baptiste haïtienne Bethel à East Orange. Nous gagnons le plaisir pour nous gagner avec nous, accompagner nous là. C'est frère Thomas Laïens, c'est où dans le diacre l'église. Nous demandons frère Thomas va camper à lui l'église. Amen. Merci frère Thomas, asseyez-vous. Nous parlons venir pour que nous soyons en famille, nous gagnons qui accompagnent nous. Amen. So, mon Bethel devait venir, mais cependant, il a empêché. Il y a d'ailleurs qui perd Corona toujours, il a caché. Donc, par contre, qui côté Corona va aller, Corona va aller de tous côtés. Donc, nous vous disons bon Dieu merci. Et nous remercions Frère Sam, 11 ans de vieille date, qui était fait nos pas, que à Soya, le Seigneur va utiliser organe nous pour capable bénir nous à travers la parole. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous remercions les pasteurs Ténor, André Ténor, 11 ans mis longtemps. Et nous bénéficions en pile sagesse de lui. Nous disons bon Dieu merci pour sagesse, merci pour travailler dans la communauté haïtienne. Donc nous disons frère Sam merci parce qu'il a lancé appel à nous pour nous être capables de porter parole pour bon Dieu à soi. Nous saluons chaque membre dans l'église baptiste haïtienne Philadelphie. Nous saluons dans nos bon Dieu. Amen. Nous contents pour nous avec vous à soi. C'est une occasion spéciale, l'occasion de partager le pain de la parole. Nous croyons que tout le monde grand goût, nous pas jamais grand goût pour parole. Amen. Nous pas jamais grand goût pour parole. Nous disons bon Dieu merci. Pour nous capables d'entrer dans le message parole, bon Dieu, nous demandons de vous camper pour capable témoigner respect, révérence pour la lecture et l'audition de la parole de Dieu. Nous allons lire, et comme c'était déjà lu, mais cependant nous allons relire dans 1 Samuel. Chapitre 7, les versets 7 à 14. 1 Samuel, chapitre 7, les versets 7 à 14. We're reading from the first book of Samuel. First book of Samuel, chapter 7, verses 7 through 14. I'm going to read in French for you. If you got an English version, please feel free to follow along with us. 1 Samuel, chapitre 7, verset 7 à 14. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle,
les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lin et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Betcar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Parole du Seigneur. Asseyez-vous et prions le Seigneur. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, Jéhovah El Shaddai, Dieu tout-puissant, Jéhovah El Gibor, Dieu guerrier, Jéhovah Shalom, Éternel notre Père. Seigneur, nous voici ce soir devant ta majesté bénie, comme un peuple assoiffé de ta parole sainte et puissante. Nous avons aussi faim de la présence de ton Saint-Esprit, sans laquelle tout ce que nous ferons serait vain et sans effet. Nous t'en supplions, Seigneur, de nous assister par la présence de ton Saint-Esprit. Nous t'en prions, Seigneur, de satisfaire la faim et la soif de ton peuple ici présent en ce moment, en attendant le port de ta provision spirituelle qui n'est autre que la prédication de ta parole vivifiante et salvatrice. Seigneur, que le message de ta parole nous rende sages et qu'elle nous remplisse de ta puissance régénératrice du Saint-Esprit. Utilise en ce soir à volonté comme l'argile dans la main du potier. Comme l'or, Seigneur, passe-nous au creuset de l'épuration de ta parole, afin que nous devenions plus blancs et plus purs que la neige, en expiant nos péchés confessés et non confessés. Bénis-nous, Seigneur, sers de nous comme ton serviteur, comme ton porte-parole, et que ton peuple soit béni et béni à salut. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Bon Dieu béni na soya. Ah, fais ça moi gagne quelques microphones, mon microphone. Ah, bon Dieu béni wa soya. Amen. Sujet nous va parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous va partager avec vous, nous titan, nous va prendre le temps. C'est sujet qui dit l'Éternel, la source de notre secours. L'Éternel, la source de notre secours. Non mais ça ya soya. Allô? Merci, Frère Sam. Dans le message à Souéa, déjà, nous avons les fils de Corée. Les fils de Corée étaient parlé dans Somme 121. Il dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas la première fois
nous joindre l'Éternel, il était toujours comme secours peuple. Donc, assoyez, bien-aimés, pendant qu'on a parlé sur l'inspiration du Saint-Esprit, l'Éternel, la source de notre secours, nous ne sommes pas capables de parler vraiment et de façon très ample de sujets nous avons assoyez, si nous ne pas faire un coup d'œil rétrospectif sur les faits qui permettent que nous arrivions dans 1 Samuel chapitre 7. Tant pis, soyez patient envers moi pendant que nous allons ensemble déguster ou bien encore défricher les secrets qui t'ont gagné et ça qui t'est passé, les faits qui t'est passé avant que nous venions arriver dans 1 Samuel chapitre 7. D'après 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 4, Israël t'est battu par les Philistins à Afek. Et dans la bataille, ça, côté M. Philistin, il a crasé M. Juif, les Israélites. 4000 Israélites tués sur le champ de bataille. Ça, c'est le premier bagage qui passe. Israël, les enfants d'Israël, les Israélites, ils ont rencontré avec les Philistins, qui sont des ennemis jurés, qui sont des ennemis historiques du peuple d'Israël. Eh bien, ils ont rencontré, d'après 1 Samuel 4, verset 1 à 4, ils ont rencontré à Afek, qui est un terrain de bataille, ils ont battu messieurs juifs, ils ont battu israélites, 4000 péris, et puis messieurs ont viré d'eau à la caille. C'est comme si rien n'était. Ils prennent plaisir, ils crasent les hommes israélites, et puis ils allaient. Nous songeons bien les Philistins, ils ont toujours été des ennemis jurés des enfants d'Israël. Nous songeons ça David t'a fait. Il a été présenté Goliath. Nous songeons par ça. Nous songeons ça David t'a fait tout petit garçon. Et puis lever des filles, il râle les fils Tibali. Tuer Goliath devant tout le monde. Et puis toujours gagner conflit, toujours gagner duel entre Philistins avec les enfants d'Israël. Alors, dans la première bataille, ça, d'après 1 Samuel, chapitre 4, verset 1 à 4, nous joignons que 4000 Israélites mourent. Tête noire parce que Philistin yo passé sous entrailles dans bataille. Deuxième fait historique, parce que Samuel, son livre historique. Deuxième fait que nous besoin considérer pour nous venir dans mes nous, mais faut nous faire histoire avec vous. C'est comme si on dit que, bon proverbe qui dit que l'échec conduit à la réflexion. L'on échoué, ou pas tourner bataille comme ça, faut replier et bien pour aller penser ça que fait m'pédi. Est-ce que je bat contre bataille? Est-ce que je besoin de plus de soldats? Est-ce que les soldats sont supposés avoir plus de tactiques pour affronter avec les Philistins? Eh bien, les enfants d'Israël, ils ont entré la caillou. Ils ont réfléchi. D'après 1 Samuel 4, verset 3 et 4, les anciens d'Israël se demandaient pourquoi l'Éternel les avait abandonnés, nous avait abandonnés et nous a laissés battus par les Philistins. Parce que l'ont échoué, il faut réfléchir. Qu'on y a cherché, qu'on est ça nous fait, bon Dieu. Qui fait, bon Dieu, livrer nous dans les Philistins. 4000 hommes péris dans la bataille. Eh bien, messieurs les Israélites, ils ont résolu dans eux-mêmes, ils ont dit, nous sommes consacrés passé. C'est parce que nous n'avons pas la présence de l'Éternel avec nous. Mais avec eux, que de l'un, nous échouons, nous n'avons pas réfléchi. Lorsque nous échouons, nous n'avons pas réfléchi, ça passé, et puis on va faire même erreur encore. Américains dit comme ça que the classic definition of insanity is when you do the same thing over and over and you expect different results. So, là où échoué, ou cassé néo, et bien, qu'on y a, c'est pour aller camper, dégager ou aller corps sur champ de bataille, pas mander bataille, aller chercher technique pour aller battre avant de tourner dans la bataille. Et c'est ça, les enfants d'Israël, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, mais ça qui passe, bon Dieu, maintenant, mitan nous. Nous, qu'on s'en va le faire, nous pour aller à Silo. Nous prenons Joël, Élie, le sacrificateur, et puis nous prenons l'âge de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Et qu'on y a, nous prenons gagner. Et qu'on dit, bon, nous venons se créer. Et puis les enfants d'Israël, messieurs, montés à Silo, y allaient côté Élie, et ensuite, détiment, messieurs, Élie, ôté là tout, on venait avec Finé, messieurs, ça aussi, sacrificateur, ôté et tout, avec papa, ils ont servi, et puis ils montaient, ils venaient. Yo prend l'âge là, yo descend avec lui, kounya là, yo dit bon, nous t'es perdu première fois, kounya nous pas perdu,
parce que nous avons la présence de l'Éternel avec nous, qui c'est l'âge de l'Éternel. D'assurer que vous suivez avec moi pas à pas dans le message, ça, soya. Bon, monsieur, vous venez avec l'âge dans mi-temps, dans le camp des Hébreux. Eh bien, les Philistins, pendant les Philistins dans le camp, ils ont un gros bruit. Ils ont un gros cri. Monsieur, Juif, ils ont poussé. Monsieur, Israël, ils ont poussé. Et monsieur, vous m'avez dit, monsieur Philistin, ça fait un gros bruit ça. Pour qui ça? Nous avons des gros bruits. Nous faisons de battre là. Nous tuons 4000 hommes dans le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui est content après une défaite aussi éclatante comme ça. Pour ça qui passe qui fait relever en vrai. Alors c'est monsieur Philistin qui a posé question pendant qu'il y a un campagne. Là, il y a des gros bruits que monsieur Juif a fait. Pourquoi ce grand cri venant du camp des Hébreux? C'est ainsi que les Philistins viennent apprendre. Monsieur Jufio content, le ouais lâche la vini dans mi-temps quand yo. C'est ça qui passe, monsieur Philistin vient connaître. Il dit D'après Samuel chapitre 4 verset 7 à 9, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Monsieur yo peur, monsieur yo tremblé. Philistin yo tremblé dans consan yo, il dit monsieur nous dans sein. Nous dans sein. Kounya là, leader Philistin yo les princes, c'est-à-dire que moun qui chef dans chaque province. Eh bien, quand ils ont rencontré, ils ont fait un meeting. Ils ont dit, monsieur Philistin, mais tes garçons sont entendus. Et quand ils ont battu la bras, ils ont rentré. Monsieur Sahayo, mais ils ont venu avec l'âge de l'Éternel. Nous songeons, monsieur Dieu Sahayo, c'est Dieu qui est puissant que monsieur s'est servi. Mais tes garçons sont nous, garçons pas campés, mais tes garçons sont enceintes, nous prenons la bataille jusqu'à la mort, parce que monsieur Jufio, ils ont venu avec bon Dieu dans le temps. Question à poser à soi, là. L'ennemi en connaît que ou bien la présence de Dieu dans le temps, est-ce qu'il y a peur? Si vous n'avez pas peur, c'est que nous manquons de puissance. Les Philistins ont peur. Ils disent, nous n'en sommes parce que, mais bon Dieu, monsieur, vous venez avec l'âge de l'Éternel dans le temps quand. Et puis il fasse l'ordre avec tous les Philistins, tous les chefs. Il dit, monsieur, campé, allons traîner, mes garçons sous nous, parce que la bataille là-bas douce encore. Ça, c'est monsieur chef Philistin, yo, qui peut leur entendre cri ça, et puis on connaît l'âge de Noé, et l'âge de l'Éternel, là, lila. Alors, ce sont des dieux, Philistin dit quoi, ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes les plaies dans le désert. Mais si on songe, Dieu, ça, Dieu Israël, là, il frappait les Égyptiens dans le désert, avec beaucoup de plaies, les 10 plaies d'Égypte. Il a frappé les Égyptiens, et puis qu'on a les chefs Philistins. Il dit avec monsieur, soyez vaillants et soyez prêts à affronter les Hébreux. Soyez des hommes et combattez. D'après 1 Samuel chapitre 4, verset 9. Maintenant, monsieur a commencé qu'on a son bataille qui a censé bouillir. Dans 1 Samuel chapitre 4, verset 10 et 11, Samuel, Israël fut battu une seconde fois. Quoi que nèg yo gagne hache là dans mi-temps yo là l'Éternel dans mi-temps yo nèg yo bat nèg yo encore et puis non seulement yo bat nèg yo et puis yo saisi l'hache de l'Éternel dans le coco ça qui a passé là nèg yo monsieur juif yo les israélites yo allé yo prend l'hache de l'Éternel comme force mon nom qu'on yo vient avec moun yo vient avec un symbole qui représente bon Dieu dans mi-temps ou qu'on on prend la bataille ou qu'on on prend gagner. Et puis, quand y a là, y a battu. Non seulement, y a fait une battu encore. Mais quand y a eu pris un sort de dicté, bon, y a nous prenons dans la ville. Ma pose, on va le faire. Nous prenons. Mais y a pris l'âge de Noé, l'âge de l'Éternel. Il prend l'âge de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Alors, ça qui va le passer. Je voulais que vous entendiez l'histoire. Non seulement, y a battu, monsieur, mais 30 000. Songez, 4 000 étaient tués dans la première bataille. Deuxième bataille, 30 000 Israélites mourir. Non seulement 30 000 Israélites mourir, les princes ont été tués. Ophni et Phiné ont été aussi tués. Non seulement Ophni et Phiné, ils ont tué, qui sont deux sacrificateurs petits, Élie. Mais quand il y a là, qui s'est passé quand il y a là, tout, quand il y a là, gagné un messager qui courait, qui est chaud de bataille là, avec des morts, des cadavres qui ont été, la terre ont été jonchée par des cadavres. 30 000 mounes, et pas 30 000 tiroches. Et puis, mon message est couru, car côté Eli. Il dit, Eli, nous n'en sommes. Eli dit, ça gagne. Eli était en gras.
Il était fat. Et puis, quand il dit, comment c'est grand monde tout? Monsieur, nous en loudo. Monsieur, chita sous votre Eli. Il dit, Eli, nous n'en mais ça, il est arrivé, nous n'en sommes. Il dit, ça qui passé. Il dit, bon, on a battu. Les Israélites ont perdu la bataille. Les Philistins nous ont battu, nous ont battu. Et puis, monsieur dit, ça, oh, bon Dieu. Et puis, quand il y a un message, il dit, non seulement ils battent nous, ils ont tué, tous les petits garçons ont mouru. Non seulement ils ont mouru, ils ont pris la tête à la ville. Mais, amis, mais. Tête, elle est chaude. Et il wetie rase sur lui, il sentit que il dévasté et puis ça qui passait, il est tombé, même les ça il font heart attack et il mourit. Now, situation grave. Sur le champ de bataille, les Israélites ont perdu. Et à la maison, leur nouvelle avenue jeune papa au final fini sacrificateur Eli à Silo, et bien monsieur tout tombé, il mourit. D'après 1 Samuel, chapitre 4, verset 12 à 22. Alors, Eli, il dit, c'est un homme âgé. Monsieur était fat, il était gras. Nouvelle là, saccagé, monsieur. Et puis, nouvelle là, il mourit. Ensuite, quand il a dit, madame Finet a accouché. Tellement qu'il y a une souffrance dans un trail. Mademoiselle Fébite là, sans pas force. Parce que nouvelle là, tellement grave. Il perd dit, bon père, il perd dit, Maril, il perd dit, bon frère, il perd dit, 30 000 compatriotes. Madame, non, il pousse vite là, par force, à cause des nouvelles ça. So, Israël, non, véritable consternation, Israël dans la honte. Imaginons, où toute nation, tout le monde, les Philistins, y a fêté. Même petit Élie, il veut mourir dans votre, madame n'a accouché. Il fait vite la force, vite la battre mourir, il fait le forcer. Mais il n'est pas supposé faire. Mais nouvelle là, c'est trop cruel. Pour madame Finé, elle perd du mari. Il dit quelle honte, quelle consternation pour le peuple juif. Dans le moment ça, pour nous faire toute pète ça. Lors de la bataille, bien aimé, dans le temps, les gens la guerre ont perdu. Eh bien, c'est tout le monde dans le pays qui a honte. Tout le monde a pâché tête en bas. Eh bien, histoire continue. Eh bien, quand il y a dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 1 à 5, bien aimé. Les Philistins, ils ont pris l'âge de l'Éternel, ils ont pris l'âge de Dieu, ils ont transporté, sorti dans Ebenezer pour aller dans Asdod. Et que Kounia, non seulement dans Asdod, qui sont ville des Philistins, ils ont mis dans le temple d'Agon. D'Agon, c'est le Dieu des Philistins. Ils ont mis dans la chambre fermée. Sous côté d'Agon, ils ont mis l'âge de l'Éternel. Dans des matins, les messieurs Philistins ont levé, ils ont mis d'Agon à terre, face à terre. Mais je ne sais pas comment ça va passer. Il y a eu l'air, il y a eu l'air, ça va passer. Comment faire? Mais il lâche la chute campée là, nous mettons sous côté, nous mettons d'agon campée côté, mais nous faisons d'agon face à terre. Les gars disent ça va passer là. Et quand il y a un gars qui prend d'agon, il met d'agon chute encore, côté lâche de l'Éternel là. Puis dans des CV, il y a encore, quand il y a une d'agon face à terre, d'agon pas une tête, d'agon pas des bras, tout cassé à terre. Monsieur dit, monsieur, nous prenons. Ou nous prenons, nous prenons, et puis c'est nous prenons un zin. Les gars, voler la chaîne à la velle. Pour humilier Israël, qu'on y a bien la château non pont gongon. Ça qui a passé qu'on y a là. Eh bien, Nego dit ça qui a passé. Nego dit bon, nous pas connaît. Qu'on y a monsieur chef Philistin dit, on retourne la château dans Pesli parce que nous n'en sommes. Faut nous remettre ça. Eh bien, qu'on y a ça d'après 1 Samuel chapitre 5 verset 6 à 12. Les Asdoniens, moun qui dans ville Asdon, les Asdoniens étaient atteints d'hémorroïdes. Monsieur Kounia là, monsieur vient pas qu'à marcher. Lâche la bayo, hémorroïde, des nègres sorti, négocier roi, yo mettez quoi forme. Parce que yo lâche la son malédiction, que lié parce que la chair représente la présence de Dieu pour les enfants d'Israël, mais c'est pas pour les Philistins. Monsieur yo dit comme ça et alors en créole nous dit ça, c'est un coquin dans gorge monsieur Philistin yo. Tout garçon avec jupe sous yo parce que mélon guerre. Hémorroïde n'est pas souti. Parce qu'il faut lâcher ça, il n'y a pas qu'à Kimbel, il faut remettre. Oh, monsieur, on dit que ça a passé là, il faut nous remettre lâche là, parce qu'il n'y a pas qu'à continuer avec elle. Et bien finalement, il faut remettre lâche là, il y a la velle. Le haut côté, lâche là, retourner, qu'on y a là, monsieur, on dit bon, nous sauver qu'on y a là. Eli, pas Eli, Samuel, en tant que sacrificateur, il relaie le peuple là. Ok? D'après 1 Samuel chapitre 7,
D'après 1 Samuel, chapitre 6, Samuel, il voit la chat tourner. Ok? La chat retourner. Quand il joue un monsieur juif. Et bien, quand il y a dans Samuel, chapitre 6, il continue pour dire que, quand il y a là, Samuel a parlé dans chapitre 7, là, soit prend, ou descend dans verset 4, là, il y a en colère, moun juif, il y a en colère. Maintenant, il y a allé contre Samuel. Il dit, Samuel, comment ça a passé là? Nous perdons deux batailles, ça a passé. Samuel dit, mais ça a passé. Non, oui, si nous confessons péché, nous d'accord qu'il y a un péché par un péché, eh bien, quand il y a là, bon Dieu est capable de pardonner nous. Et que quand il y a d'accord, Samuel présente un holocauste. Samuel jette de l'eau. Et puis Samuel qui va l'établir, l'établit à Mispa. Pendant Samuel, la Bible est claire sur ça. Pendant Samuel, le sacrificateur, l'a offert avec un agneau de lait, elle dit qu'un agneau qui est très pur, qui saint. Il a présenté le sacrifice là. Mounio a prié, Mounio dans la présence de Dieu, il a mis à part. Et bien c'est comme ça, messieurs Philistins, a pas avancé pour y aller attaquer les enfants d'Israël une troisième fois. Ce sont les méchants qu'on est encore. Ou pas capable convaincre méchants, ou pas capable vaincre méchants, ou pas capable battre méchants avec la chair. La Bible dit pendant que Samuel, nous fin d'accord pour dire nous avons péché, nos parents ont péché. Pendant que d'accord, il a prié, ça qui fait que ça a prié pour eux. Et puis, quand il y a ouais, Philistin a marché petit point de pas, petit point de pied, pour aller entrer sous yo, pour aller couper Gagagnon encore. Et puis, c'est là, monsieur, vous montez sous yo, grand yo. C'est là, monsieur, vous montez sous yo, grand yo. Moi, là où nous victimes, nous avons des victimes, ça tape des coupes Gagagnon, nous, c'est parce que nous parlons de côté bon Dieu dans la prière. C'est un mauvais moment. Bon proverbe en français qui dit à bon chat, bon rat. Le que Philistin connaît, il pourra le manger, il pourra le battre, mais si on n'a qu'un à Mispa, eh bien, c'est là ça, monsieur, vous montez sous au grenier. Parce que Samuel t'a offert sacrifice. Le peuple, il a confessé péché devant mon Dieu. Le peuple, il voulait rencontrer avec mon Dieu. Bon Dieu, tendez prière, Samuel. Samuel, monsieur a dit, Samuel, pendant que nous tendez prière, Philistin a venu, tant pis, s'il vous plaît, continuez à prier pour nous. Samuel criait devant mon Dieu. Seigneur, pardonne ton peuple. Il a confessé ses péchés par devant toi. Pardonne-le. Samuel offrit sacrifice, il offrit holocauste. L'Éternel, la Bible nous dit que bon Dieu a exaucé la prière de Samuel. Le prière exaucé, ennemi a vu attaquer, et bien la victime. On nous dit ça encore. Lors où prière exaucé, ennemi a vu attaquer, au monde déjà pour des victoires. Monsieur Philistin, il a vu une prendre pillaille. Et deux fois là, oui. Et deux fois le battre. Première fois le battre, 4000 moun mouri. Deuxième fois, 30000 moun mouri. Et bien, il a vu une prendre pillaille. Et bien, avec l'Éternel, monsieur, les Israélites ont dit, mais quoi maman, mais quoi papa, sous capable, vin pilel. C'est là que nous parlons de venir dans Israël. Côté que nous te libres ou 1 Samuel, chapitre 4 et chapitre 7, 1 Samuel 7, verset 7 à 14, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Les entendez, monsieur, rentré à Mispa, il a prié, il a offert sacrifice. Il dit, bon, nous prenons le couper gagagnon encore, nous prenons le prendre. Et puis, pendant, sans doute, c'est ça, M. Philistin dit, on va les attaquer, on va les battre. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Songez bien, oui. Lors l'école, nous étions à l'école, nous étions victimes de bullying. En Haïti, nous ne pouvons pas consacrer le bullying, right? Nous disons ce qu'on est, que Timoun a pas mal dit l'autre Timoun. Bullying. Alors, ici, aux États-Unis, là, nous venons apprendre ça dans l'éducation. Bullying, c'est là que le mot bullying ou bull. Bull veut dire taureau. Bullying, c'est que, ou plus gros passé, ou bien force passé, ou bien de bambou clos. Si je dis que pour m'acheter l'ange, ou prendre la poche, ou faire ma misère, ou rendre la vie impossible. C'est ça que le bullying, oui. Quand il y a M. Philistin, c'est de notre Kounia, ou d'après le des bullies.
Et qu'on s'en a brûlé, parce que mais les enfants d'Israël, ils ont prié pour le diable, ils ont mis pas, ils ont avec sacrificateur, ils ont cherché présent le bon Dieu. Boulis, les Philistins, les attendaient. Mais monsieur a prié, ils ont mis pas, ils ont dit nous prenons l'attaque. Et puis c'est là où ils vont monter sous eau, sous eau. Bravo, ennemis ennemi n'a pas qu'à attaquer nous, les nous étions en prière, attendez. Ennemis n'a pas qu'à attaquer nous, les nous attacher avec bon Dieu, attendez. Ennemi n'a pas qu'à attaquer nous, lorsque que nous confessons péché nous, nous disons Seigneur, nous avons péché contre toi, nous avons péché, nos parents ont péché, nos pères ont péché, pardonne-nous. Lorsqu'on fait ça, ouvre la porte par bon Dieu. Samuel te fait ça pour les enfants d'Israël. Yo, d'accord, au péché. Samuel jetait de l'eau. Monsieur Philistin, pas de compte ça. Il dit, et il dit à Samuel, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eu peur. Monsieur, vous tremblez dans le canson, yo. L'entend de Philistin, on parle rentrer une troisième fois. Alors, dans le verset 8, et il dit à Samuel, les enfants d'Israël dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Vous savez, peuple juif, là, il croit dans le leadership. Il dit, Samuel, pas suspendre prier, bon Dieu, pas suspendre crier, bon Dieu, pour nous, parce que nous peur, nous tremblons dans le cœur, nous, parce que nous connaissons même Bouli, mais Philistin a venu, et là, nous connaissons à le faire nous passer. Yo fait tuer 4000 là nous. Yo fait tuer 30000 là nous. Samuel si vini nous dans zin, oui. Samuel priait. Samuel criait devant l'Éternel et la Bible nous dit que Dieu a exaucé la prière de Samuel. Et ça fait dans l'église là, ici en là, il y a dans des batailles spirituelles qui livrent à où ou obligé demander aide pasteur, ou obligé demander aide diacre parce que non sens yo gagné, yo consacré. Peut-être qu'on puissance que le Saint-Esprit de Dieu peut gagner dans eux, qu'on n'a pas gagné ou demander concours. Eh bien, c'est comme ça. Mais Samuel continue de prier et bon Dieu exaucé prier Samuel. Samuel avait fait comme demandaient les enfants d'Israël. Dans le verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Dans le verset 10, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Donc ça c'est provoqué, monsieur Israélite. Les gens ont offert sacrifice, Samuel a prié, c'est les Israélites qui ont marché sous point de pied pour qu'ils puissent attaquer les enfants d'Israël pendant qu'ils ont prié, pendant qu'ils ont cherché l'Éternel. Mais quand il y a là, il y a un proverbe qui dit, « Bat chien, tant mettre lui. » On nous répète pour les haïtiens ça, bat chien, ton mettre li. Pendant que monsieur a marché sous point de pied, avec l'arme, il y a un javelot dans le yo, il y a une épée dans le yo, manchette yo bien filé, il y a un pic dans le yo, il a avancé pour aller à Mitsa pour aller couper Gagan, monsieur, les enfants d'Israël. Yo. Et puis c'est comme ça, l'Éternel a fait son intervention. L'intervention de l'Éternel a été manifeste. Kounya là, comment bon Dieu manifesté? Ou a saisi ou ça? Le bon Dieu a venu délivrer, bon Dieu a délivré. Nous pas capable dire bon Dieu, mais qui a voulu faire ça? Samuel priait, Samuel offrit sacrifice, il offrit un agneau en holocauste, il a dit l'Éternel, qui Jean pour délivrer. Vous connaissez qui ça bon Dieu fait? Pour le capable craser M. Philistin, ce n'est pas bataille, il fait juif, bataille avec Philistin. L'Éternel a fait pleuvoir sur les Philistins, qui ça? Un tonnerre. Comment ça, le tonnerre? Tonnerre, c'est là, nous-mêmes en Haïti, nous confondons les deux phénomènes, ça, les grands éclairs, nous disons que c'est tonnerre qui tombe. Tonnerre pas tombé, c'est éclair qui file, qui tombe sur le monde. Alors, on tonnerre, on l'appui de tonnerre, qui fait gros bruit dans les oreilles de M. Philistin. M. Philistin est venu sous, il n'a pas qu'à attendre. Pendant ce temps, M. Juvio a couru derrière, a vu le bâton sous le dos, il n'a pas qu'à camper. Vous pouvez imaginer, tonnerre en fait, M. Juvio m'a attendu tonnerre. Qui est-ce qui est attendu tonnerre? M. le Philistin. Et qui est-ce qui n'a pas qu'à attendre? Monsieur le Philistin, et qui est-ce qui a couru, vu le bâton sous yo? Pendant que vous pas attendre, il n'a pas qu'à parler une autre. Qui est-ce qui a vu le bâton sous yo? Les Juifs. À soi, il faut comprendre. Le bon Dieu veut ou même avec moins victoire. Il employait des outils extraordinaires. Il employait des âmes
non conventionnel. Mon Dieu a utilisé le tonnerre pour le capable de mettre en déroute, pour le capable de défaire les Philistins. Et la Bible nous dit, la victoire a été éclatante, la victoire a été remportée, les Juifs ont battu les Philistins, parce que Dieu était avec eux. Moi, avoir bataille, nous ne pouvons pas gagner. Ça que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas inviter bon Dieu, nous ne pouvons pas demander bon Dieu pardon, nous ne pouvons pas dire Seigneur, qui ça nous fait n'a payer? Nous avons besoin de présence. Ce peuple-là, il dit Samuel, continuez à prier pour nous, à crier à l'Éternel. Pendant qu'il a préparé nous pour aller dans la bataille, mes boulis sont venus, mes Philistins sont venus. L'Éternel dit pas occuper eux, m'a paré pour eux. Et là, vous comprenez? Ils ont pris l'englouti, même j'ai été fait dans deux premières batailles. Ils ont pris l'englouti les Israélites. Eh bien, l'Éternel fait pleuvoir un tonnerre qui rend tout le monde sourd. Mon Dieu, il ne va pas attendre. Pendant ce temps, les enfants d'Israël ont vidé des bâtons sous eux. Ils ont couru. Les enfants d'Israël ont vidé des bâtons sous eux. Ils ont couru après l'ombre. Et puis, ça qui vient de passer après. Comment l'Éternel résout le problème ça? C'est une question que et monsieur a fait des bâtons. Petit Lio, tout le temps, l'appelé Batio, les hommes d'Israël sortis juste de Mispa, côté Oteye, ils ont poursuivi les Philistins, ils ont battu jusqu'au dessous de Betkar, on zone qui est Betkar. Samuel prit une pierre. Nous relais, c'est une pierre de souvenir, c'est une pierre de secours de Dieu que Samuel prend. Pierre l'a placé dans deux villes, ça y est, Mispa et Chen. Et qu'on y a liré les pierres, ça, et Benezer. Songez bien. Et ce n'est pas place là que les Bénézères, c'est-à-dire qu'il y a une place que les Bénézères, c'est pierre et ces pierres-là, Roche-là, qui symbolisait un monument. Et puis Samuel dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici. Qu'est-ce que ça veut dire? N'a pas de répéter ça, jusqu'ici. Ça veut dire qu'en dépit de tout ça qui passait, en dépit de tout échec que nous prenons, mais nous disons Dieu merci. Il n'a pas quitté nous net. Il n'a pas quitté nous pour nous net. Nous disons Dieu merci parce que il est venu quand même. Il tendait nous et il sauvait nous en bas de Philistins. Alors, jusqu'ici, cette pierre, jusqu'ici, l'Éternel nous a secours. Juif, là, c'est un peuple qui plus, vous voyez ça en anglais, iconophile. Icon, icon. Alors en français, vous voyez ça icon. Iconophile, dans le mot phare là, ou est Philly. So Philly veut dire ami, Philia, Philadelphia, et puis icon, moun qui remet image. Par exemple, l'église catholique remet image, yo présente image Jésus, image Marie, image Saint Thomas. Eh bien, juif, yo remet ouais ça en pile en représentation. Le yon bagay passe dans l'histoire, yo, yo marqué par yon bagay. Eh bien, yon nan raison, yo songe comment yon te bat de Philistins, yo pour un wash, yo rele wash là. Ebenezer, en langue hébreu, qui veut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. La question à poser à soi avec Philadelphie, qui est-ce qui va le secourir? L'ennemi en campé, l'ennemi en connaît que vous êtes bon ennemi, la manger. Vous dites comme ça, dans pourri, il y a une force sur le bon ennemi. L'ennemi en campé, la force passer dans Jésus-Christ. L'ennemi en campé la bat toute la journée qu'on en nuit. Qu'est-ce qu'on a brûlé? Les fils de Corée, les psalmistes, les fils de Corée dans Somme 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Moi, avec vous, nous ne pouvons pas de côté pour nous chercher secours. Si nous cherchons secours dans nos amis, la trompine. Si nous cherchons secours dans le pasteur, il y a des pasteurs qui ont trompé. Si nous cherchons secours dans Jacques, Jacques l'a couru, quitté ou laisse à Marie. Si vous cherchez secours dans Marie, ou à saisir ou à sa Marie abandonné ou. Ou à chercher la madame, et y abandonne dans petit, ou à saisir ou à ça. Bien aimé, cherchez secours pas dans l'homme. C'est dans le bon Dieu pour nous chercher secours. Et il est donc croyant dans le bon Dieu. Eh bien, secours nous garantit. Parce que Samuel, le sacrificateur de Silo, il prend pierre là, il dit c'est ici. Cette pierre, je vais l'appeler Ebenezer. Et jusqu'ici, l'Éternel nous a secoué. Non seulement victoire, Samuel là, et victoire et à Mispa, c'est une victoire décisive. Toute bataille qui fait, depuis qu'il y a une bataille qui fait, et bien toujours que ça a le butin. Butin, ça veut dire que
l'autre monde qui gagne, monde li prend en esclavage et l'autre qu'il prend la caillou, l'autre territoire prend la caillou ville li occupé. Après bataille Mispa, Israël rale tout territoire arraché dans les Philistins. Tout territoire que monsieur te prend avant dans bataille avant yo, yo prend tout territoire ça au bas. Ce n'est pas ton petit victoire seulement. Vous avez battu monsieur avec le tonnerre qui était et tout dire. Mais cependant, vous avez ça relé et ça relé et acquisition de tout bien que vous avez perdu avant. Et puis monsieur Jufio, vous prend tout bien que monsieur Bouli, vous avez pris. Là, on a parlé de Bouli, nous parlons de monsieur les Philistins. Vous prenez. Alors, c'est Pierre là nous dit que il dit jusqu'ici l'Éternel nous a secoué. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Et il ne vint plus sur le territoire d'Israël. Philistins humiliés. Songez deux fois, c'était Israël qui était humilié. Mais Kounoua, c'est eux-mêmes qui humiliaient. Ils couraient poule devant les enfants d'Israël. Ils n'ont pas capable de camper. Et puis Israël dit, mais quoi maman? Mais quoi papa? Sous capable vin pilel. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. On nous dit ça encore. La main de l'Éternel. On nous dit, fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Samuel, c'est une figure dans la littérature juive qui a une importance capitale en tant que prophète. C'est seul Samuel qui a trois titres. Monsieur, non seulement il était prophète, mais monsieur, il était juge. Ensuite, monsieur, c'est ça, sacrificateur. Ou pas même dans l'Ancien Testament, il y a trois rôles. Et Samuel, d'après l'histoire, c'est un monde qui est plus sérieux. C'est un juge qui est plus juste en justice en Israël. Et jusqu'à présent, je suis fier de Samuel. Nous avons dit Samuel Deye, dans Samuel chapitre 1er. Samuel, c'est maman de relé, Anne, c'est femme ça qui a crié, pas de café petit. Vous savez? Côté madame, elle a passé la bêtise. Elle a crié, même Elie, le sacrificateur, a passé la bêtise. Et puis c'est nom ça qui vient fête. Et puis côté Anne, le 8e jour, il montait à Silo. Et puis Kounia, après baptême, après fin présenté. Et ensuite, après circoncision, il présenté, etc. Et puis Kounia là, Anne dit, c'est le fils que Dieu m'a donné. Et je vais le prêter à l'Éternel. Nous dit maman, pas jambes baïti, maman, c'est prêter, le prêter, prêter. Donc, mais Samuel, ça, qui levait en bas pied Elie. Elie formait. Elie, il était gagné de petit, il était fini avec fini. Il était fait au sacrificateur, il commençait à mettre à remplacer. Monsieur, ça a eu une fait un paquet de désordre, il n'a pas su bon Dieu. Nous parlons maintenant, 1 Samuel chapitre 8, côté que monsieur petit et Samuel, Joël, avec Abinaja, monsieur, ça a eu pas su l'Éternel. C'est ça que fait Samuel, il vient demander, Samuel, Israël, le grand chef, il est réuni. Il dit, Samuel, eh bien, nous demandons un roi, parce que nous ne pouvons pas arrêter comme ça, parce que M. Petit, il y a des désordres fait en Israël. Nous avons besoin de roi. C'est ça que nous dit tout le monde, dit, ah, Israël a besoin de roi, ou à Kali. Mais il faut qu'on ait tout ça, petit Samuel, il a fait. Samuel a marché droite devant mon Dieu, et jusqu'à ce qu'elle mourit, il n'a pas jamais fait rien qui est. D'ailleurs, le Samuel a retraité, il réunit tout Israël, tout ancien, il dit, dis-moi si il ne faut pas qui est. Dis-moi si je ne pas un mauvais jugement. Dis-moi si je ne madame, si je ne petite, si je ne jardin. Tout le peuple a crié d'une seule voix, non Samuel. C'est un homme qui est propre dans la Bible. C'est un leader. Si nous devons suivre un leader, c'est un leader pour nous suivre. Modèle Samuel. Ça qui vient de passer, qu'on y a là. Tout bien, Israël, mais si on prend, on rache. C'est ça la Bible dit, oui. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath avec le territoire, Israël, tenez ça la Bible dit, Israël les arracha. Vous avez les arraché, c'est pas tant pour souple. Tant pour, ou te battre nos premières fois, ou te prendre quelques villes. Bonne ville, j'ai au bac. Ou te battre nos deuxième fois, ou te prendre quelques villes. Bonne au bac. Non. Il dit, nous prenons, yo, ça bat pour, bon ça. Lâchez yo dans main Philistin yo. Donc ça montre que c'est pas un petit travail que bon Dieu te fait avec Samuel et peuple qui était avec lui. Israël les arracha de la main des Philistins et il y paix en Israël et les Amoréens. Donc tu es venu la paix
Parce que Bouli a Bouli qui t'a bouli les Philistins qui t'a bouli messieurs les enfants d'Israël yo Bouli a les victimes qu'on y a là. Vainqueur a les venir victimes qu'on y a là. Et puis c'est comme ça la paix régnait en Israël. La paix régnait parce que qu'on y a là messieurs Israélites yo yo bat messieurs ça. Donc nous-mêmes qui ça les esprits dit nous Asoya qui a vu nous-mêmes qui dans l'église militante Asoya ça veut dire. Ça, mais ça veut dire Asoya. Mais ça veut dire pour nous Asoya, c'est que l'Éternel, il a l'abtend nous. Notre délivrance est entre les mains du Seigneur. Mon Dieu abtend nous seulement, nous besoin reconnaître que nous péchons. Nous besoin reconnaître que nous pas bons. Nous besoin reconnaître que nous faisons pile bagaille devant mon Dieu, nous faisons mon Dieu fâché. Et là, nous reconnaître que nous faisons mon Dieu en pile bagaille, qu'il fâché, nous venons demander le pardon. Qu'il n'y a pas de holocauste qui peut offrir encore. Le voile du temple est déchiré de bas en haut. Nous avons accès direct avec bon Dieu. Nous avons prié, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne mes péchés. Nous avons fait ça. Et là, nous fait ça. L'ennemi a fini. L'ennemi ne va le manger nous. L'ennemi ne va le varer sous nous. Et bien, qu'est-ce que poisson a coqué dans la gorge. Même gens, zo poisson a coqué dans la gorge des Philistins. Assoyez, bien-aimés, de Philadelphie. Nous avons quitté eux. Mais nous faut qu'on ait ou pas pitié mis sans gador. À ce qu'on a faut qu'on ait encore nous pas pitié mis sans gador parce que le que diable a campé pour nous manger et que le que dans le côté bon Dieu nous porter prêt, eh bien nous même gens Samuel te gain wash il était bété de poser entre Misa et Chen, il dit que wash a relé Ebenezer jusqu'ici l'Éternel nous a secouri, laissez-moi d'eau wash qu'on va le planter, c'est la prière. Là, qui est dans le côté bon Dieu dans la prière. Nous attachés avec bon Dieu par la prière. Avec tout cœur nous, dans le jeûne. Et puis, le diable a vint sous point de pied pour le mettre main sous nous. En vérité, le pape, comment est nous? Parce que nous, ces petits bon Dieu, il y a victime. Il y a une victime pour qui ça? Parce que l'Éternel, pape qui était au seul, l'Éternel, pape qui était seul. Et puis, watch ça, nous avons mis nous. Qui dit jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, mais c'est wash la prière. Tout en nous invitant, mon Dieu, dans la vie, nous pas gagné pour nous regretter rien. Tout en nous invitant, mon Dieu, dans la vie, nous, diable a gagné pour le vaincu, nous-mêmes n'a plus que vainqueur. Qu'il en soit ainsi pour vous ce soir, et que le Seigneur vous bénisse. Nous disons, bon Dieu, merci de la façon dont tu utilises pasteur nom. Et nous sentons réellement bénis à souhait. Et apprendre à la guerre, bataille là, mais bon Dieu. Parce qu'il s'est Ebenezer, nous c'est lui-même qui a secouru nous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Nous pourrons chanter pour nous clôturer. Nous demander à pasteur David capable de préparer pour faire prière finale. Et pasteur André Tino, Baba, nos bénédictions. Nous pourrons chanter Israël, tu es devant la mer rouge. Pharaon d'elle, la marche à la rencontre. Nous prenons la bataille là, dans l'Éternel. Est-ce qu'on veut faire ça soir avec nous? Avec paix, Israël là. Poursuivre l'Éternel, pas laisser des délivrants. Bataille là, c'est pour l'Éternel, pour qui ça va craser quoi? Bataille là, c'est pour l'Éternel, prêter en silence, en silence. Mais essayez d'être pigeotis, je vous crie, mais demain c'est pas rien qu'à priver. Plutôt la guerre, bataille là, non mais l'Éternel. Amalek paraît sous Israël. Paraît
ma deye ata ye la kouplio. Moïse monte sous montagne moun yo te descend al bataille. Malek pat kapab résiste chaque fois Moïse leve men en le paye mon Dieu. Toi bataille la fila nan men l'Éternel. La guerre bataille la c'est pour l'Éternel. Sa wap krasé kon bataille la c'est pour l'Éternel. Rete en silence pou mèt essayé depi jodi jou privé le mè se pa on y ka prouvé pito la ki bataille la nan mè l'Éternel. Si porté David, parce que bon Dieu t'est choisi pour t'a remplacer. David pour la fuite, Saïd, derrière pour tout yeah. David épargne la vie, Saïd, pendant t'a dormi, l'épargne tes mains sous lui. Saïd mourit l'Éternel, t'es délivré David. Bataille la c'est pour l'Éternel, pour qui ça va craser pas. Bataille la c'est pour l'Éternel, prêtez en silence, vous m'êtes essayé depuis jeudi, jour privé, demain c'est pas rien qu'à prévenir, plutôt la guerre bataille dans mes prisonniers. La ville fois critique, yo, comme penser, c'est yo, mais qui frappe. Qui fait parfois yo on perd du bataille la femme la qui bataille la na main l'Éternel c'est lui même qui connaît la fin la l'Éternel bataille la wagen la victoire bataille la c'est crasé corps. Bataille la c'est pour l'Éternel. Rêtez en silence, vous m'êtes essayé depuis jeudi, vous vivez demain, c'est pas rien à régler. Plutôt la bataille la c'est pour l'Éternel, pour qui ça va craser fort. Bataille la c'est pour l'Éternel, rester en silence, vous m'êtes essayé depuis jeudi, je prive, demain c'est pas rien à régler. Plutôt le qui bataille là, nan men l'Éternel. La guerre bataille là, nan men l'Éternel. La guerre bataille là, nan men l'Éternel. La guerre bataille là, nan men l'Éternel. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la est-ce que vous voulez apprendre à la bataille dans l'Éternel? Est-ce que vous voulez apprendre à la bataille dans l'Éternel? La bataille dans l'Éternel. Ou après tout ce problème, vous faites face
y a résoudre. En pile fois c'est nous même capture pour résoudre. Nous pas la guerre ouvrir dans l'Éternel. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Pasteur David dans la prière finale et Pasteur André Tenon capable de bénédiction pour nous. Enfin, merci, nous prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour grâce à mon faveur offert à chacun de nous-mêmes. Venez devant, Éternel Jésus, je dis à son bénédiction parce que vous dites, Éternel Jésus, ou par force ensemble avec les opprimés, Éternel du poussier, où il levé tout indigent. Et Éternel, à travers un service ça qui fait, je dis à nous remercier le fait que vous jetez bénédiction sous nous en abondant. En manière, nous pas capable, Éternel, expliquer, mais nous disons du merci. Le fait que Éternel, vous gardez nous en considération. Vous mettez, Éternel Jésus, tout ça, Éternel Jésus, qui gagne. Qui capable, Éternel Jésus, ont nécessité pour capable aider nous à avancer vers l'avant. À travers l'histoire, nous voyons dans la Bible et à travers ça, Éternel Jésus, que nous avons fait expérience journée aujourd'hui, à nous voir que même bon Dieu, nous servons, que nous avons servi, même mon Dieu serviteur, nous avons servi à travers la Bible, et même expérience que nous avons fait, nous voyons, Éternel, pas rien vraiment qui est différent. Et que nous avons fait et que nous avons traversé aujourd'hui. Et ça fait, nous connaissons même Dieu. Nous t'ai gagné avant, même Dieu, il t'ai gagné dans la Bible, c'est même Dieu à nous gagner qu'on y a là. Et mais tout ça, on t'ai fait déjà, ou qu'à continuer à faire. Tout ça, on commence à faire, ou à finir faire. Et ça fait, nous merci pour grâce, nous merci pour faveur. Éternel, pour Jacques Jean-Bertin, lui, ou t'ai bah, opportunité pour diriger service ça. Éternel, et chacun de nous-mêmes qui t'es venu en présence. Ou à béni en amour dans son nom de Jésus de Nazareth, nous nous remercions. Et pasteur, nous éternel, pasteur Lazare, qui t'es prêché, il y a un message qui vibrant et béni. Et non, mais édifié en âme, chacun de nous-mêmes qui t'es là. Éternel, nous nous remercions, éternel Jésus, pour tout membre de l'église. Et plus particulièrement pour l'ange de l'église, pour pasteur Ténor, André Ténor, qui a une opportunité pour capable et conduire peuple ça à la lumière, pour capable conduire peuple ça à la vérité. Et nous remercions pour toute famille. Éternel, pour petit garçon li, et yo, pour petit garçon li, frère Samuel et madame li, et pour pasteur et madame li, pour chaque membre de l'église, pour être capable de continuer à marcher, éternel Jésus, et faire le travail que vous confiez à vous-même. Nous vous remercions, vous avec bénédiction à chacun de nous-mêmes, à musiciens qui ont joué musique, éternel, à tout qui était sous son et sous vidéo, et nous remercions, vous êtes capable de faire grâce, vous êtes capable de toujours continuer à faire service de ta volonté. Nous nous remercions pas parce que nous sommes bons. Et chacun de nous-mêmes qui prend la caille nous aujourd'hui, nous sommes capables de nous en abondance. De fait que nous sommes capables de pas à rencontrer avec des accidents et par des choses que nous ne sommes pas supposés rencontrer. Nous nous remercions. Même si nous sommes là, nous sommes nous, éternel Jésus, dans le chemin pour nous aller à la caille. Nous prions pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous dignes, pas parce que nous sommes agréables. C'est dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Oui, amen. N'a pour remercier tout bien-aimé qui fait effort pour la soirée. Pas oublier de mes soirs, n'a pas nous encourager pour nous toujours là. Please, si vous pas le travail, bien-aimé, fait des efforts. Nous connaissons soyons. C'est juste nous pas inviter l'église, vraiment pour nous. Tandis que chaque soir, nous avons un pasteur. L'autre église qui parlait avec nous, nous disons bon Dieu merci. Nous comptons pile, façon que bon Dieu était utilisé à Souéa, docteur Hazard, pour présenter nous l'évangile. Moi, c'était même j'en me sentis dans moi béni, dans mon béni à Souéa. Donc, on ne peut pas décourager nous la plus dimanche soir. On nous la plus dimanche soir. Et pas chaque semaine, nous réveillons. Ne pas oublier ces réveils annuels là pour les hommes. Maintenant, on a pu prononcer la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent sur chacun de nous dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.
Bon Dieu, bénis au pasteur.